Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux très facilement, à partir d'un projet modèle, créer des sous-projets que je vais incorporer dans un projet maître, que je vais aussi pouvoir suivre ces deux sous-projets dans le projet maître au point de vue des tâches, que je vais aussi partager les ressources afin que tout le monde ait les mêmes ressources et qu'il n'y ait pas de doublons, et je pourrai finalement, à la fin, regarder s'il y a des surutilisations de ressources. Et après, comme ça permet à la personne qui a le projet maître de prendre éventuellement des décisions. Alors, déjà, là je suis dans mon dossier donc où je vais mettre tous mes projets. À quoi je vois que ce MS Project est un modèle, tout simplement à son extension. Vous voyez ici que l'extension, c'est planning de référence, ça c'est le nom du fichier, et .mpt. .mpt, c'est tout simplement, ici, vous voyez, Microsoft Project Template, donc c'est un modèle. Or, un MS Project classique, c'est un .mpp. Donc, je vais ouvrir mon MS Project, ordinateur, voilà. Et on va faire un petit tour un peu pour voir qu'est-ce que j'ai fait dans ce projet. Alors déjà, première chose, avant de parler vraiment de ce que j'ai modifié, comment je fais pour enregistrer un projet en tant que modèle? Eh bien ici en haut, vous voyez qu'il y a l'onglet fichier. Donc en haut à gauche, je clique sur fichier. Je vais aller faire enregistrer ou enregistrer sous. Et quand je me rends dans un dossier, voilà, j'ai la fenêtre donc enregistrer sous. Et vous voyez ici, c'est marqué projet.mpp. Et si je clique dessus sur la liste, vous voyez qu'ici, j'ai un modèle de projet qui est .mpt. Voilà comment je crée un modèle de projet. Voilà. Et je vais fermer ça. Et je vais revenir donc grâce à la flèche ici dans mon projet. Alors vous voyez qu'ici j'ai les jours chômés qui sont en couleur rouge. Je les ai changés et je les changerai encore. Et c'est ce qui va me permettre, je dirais, pour que ce soit beaucoup plus facile de se repérer visuellement. Est-ce que je suis dans le sous-projet 1? Est-ce que je suis dans le sous-projet 2? Ou est-ce que tout simplement je suis dans le sous-projet 1? Donc, le projet maître, pardon. Donc, du coup, j'aurai trois couleurs. Projet maître, sous-projet 1, sous-projet 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Entre autres. Eh bien, si ici, vous voyez, là, je suis sur la tranche, c'est marqué diagramme de Gantt, sur la tranche à gauche. Si je fais un clic droit dessus, j'ai un menu qui apparaît et je vois ici les différents affichages et je vais pouvoir me rendre, par exemple, dans le tableau des ressources. Et vous voyez que j'ai créé déjà des ressources. Différentes ressources avec des unités max de 500, 400%, 200 et 100%. 100%, c'est une personne qui travaille à temps plein. 500%, c'est tout simplement parce que j'en ai 5. Et on va voir justement pour la répartition entre les différents projets et du coup, aller visualiser si jamais je dépasse. Je reviens dans mon diagramme de Gantt grâce au clic droit sur la tranche et diagramme de Gantt. Si je vais dans projet et que je vais voir modifier les horaires de travail, eh bien, vous voyez qu'ici, dans le calendrier standard, j'ai déjà tous mes jours fériés. Et ça va jusqu'à 2149. Donc, pour les jours fériés classiques, j'ai créé jusqu'à 2149. Et pour information, je descends jusqu'aux 3 jours fériés qui sont particuliers. Lundi de Pâques, Ascension et lundi de Pentecôte, qu'il faut les renseigner tous les ans. Eh bien, vous voyez, j'ai jusqu'à 2040. Comme ça, je suis tranquille. Je peux utiliser jusqu'à 2040 ce modèle sans devoir me poser de questions. Autre chose, si j'ai aussi modifié, je reviens dans les horaires de travail, vous voyez ici, donc, si je clique sur le lundi, j'ai ici des horaires de travail pour le 13 mars, 8h, midi, 13h, 17h, mais c'est pareil pour mardi, mercredi, jeudi, et si je regarde, vendredi, j'ai toujours 8h, midi, 13h, 17h. Si je fais un petit calcul rapide, 4h le matin, 4h l'après-midi, 8h par jour. Et donc, du coup, il faut bien penser à, ici, dans, vous voyez, le petit onglet options, je clique dessus et j'arrive dans les options de MS Project, où ce qui est dans la partie échéancier, vous voyez ici, il y a une partie qui est assez importante. Bon, la première partie, un peu moins, je mets le début par défaut, la fin par défaut, et vous voyez, ces heures sont affectées aux tâches lorsque je tape une date de début ou de fin sans spécifier l'heure. Très bien. Par contre, ce qui est important, c'est ça, c'est de dire, voilà, je suis à 8 heures par jour de présence et j'ai 8 heures par jour de travail, 40 heures par semaine et 20 jours dans le mois. Alors, c'est important, bien sûr, je dirais, tant que je n'ai pas mis sur une tâche ou sur une ressource un calendrier avec des horaires différents,
Parce que dans ce cas-là, c'est le calendrier qui prendra bien sûr le pas sur les horaires ici de l'échéancier. Donc je fais OK. Et je fais OK. Et donc je vais pouvoir créer tout simplement à partir de ce modèle mes graphiques. Donc, dedans, je fais fichier, enregistrer sous. Je vais aller donc pour simplifier dans un dossier où je vais tout mettre dedans. Et ici, vous voyez, c'est bien marqué projet MPP. Et je vais par exemple tout simplement dire projet maître. Voilà. Je fais enregistrer. Le projet maître, je vais le laisser en rouge. Et chose importante, dans le projet maître, et je répète bien, dans le projet maître, je laisse obligatoirement, clic droit sur la tranche, tableau des ressources, les ressources. Les ressources doivent être dans le tableau maître et uniquement dans le tableau maître pour éviter justement d'avoir des doubles. Je ferme mon document. J'enregistre donc le projet maître. Encore une fois, et vous voyez ici, c'est marqué MPP pour Microsoft Project Document, alors que l'autre, c'est un template. Je rouvre le modèle. Je fais OK pour ordinateur. Donc, toujours pareil. Le même fichier, donc modèle. Et cette fois-ci, je fais fichier, enregistrer sous, donc toujours dans le même dossier. Et pour faciliter le sous-projet, je l'appelle SP1. Voilà, SP1 pour sous-projet 1. Je fais enregistrer. Et ici, je dois lui apporter quelques petites modifications afin de pouvoir, je dirais, plus facilement m'y retrouver. Alors déjà, première chose, visuellement, pour s'y retrouver, je vais changer la couleur des jours fériés. Donc pour faire ça, ici, là, j'ai le diagramme de Gantt et je vais me mettre tout simplement dans le diagramme de Gantt. Vous voyez ma souris. Je fais un clic droit. J'ai un menu qui est apparu. Je vois ici période chômée. Je clique dessus. La couleur, donc ici rouge. Je fais un clic et je vais prendre du jaune. Voilà. Je fais OK et maintenant, vous voyez, j'ai les jours chômés en jaune. Premièrement. Deuxièmement, aussi, pour facilement me retrouver dans la partie ici, tableau des tâches, retrouver ce qui appartient au sous-projet 1 et sous-projet 2, je vais donner un nom à mon sous-projet. Donc le nom, alors je ne vais pas être très original, je vais l'appeler SP1, mais pour le donner, il faut ici, vous voyez, dans l'onglet fichier, donc toujours en haut à gauche, je clique dessus. Ici, dans le menu Backstage qui est apparu, il y a Information, donc je clique sur Information. Ici, vous voyez qu'il y a une partie où c'est marqué Information sur le projet, je clique dessus et je dis Propriété avancée. Et dans la fenêtre qui s'est ouverte, ici, vous voyez que le titre c'est Projet 1, et moi je vais l'appeler SP1. Tout simplement. SP1 pour sous-projet 1. Je fais OK. Je reviens avec la petite flèche dans mon diagramme de Gantt. Je vais me rendre dans les ressources parce que je vous rappelle que les ressources, il doit n'y en avoir aucune dans les sous-projets, sinon risque de doublon, sauf cas bien sûr exceptionnel où le sous-projet a ses propres ressources et qui ne seront pas mises en commun. Mais là, je souhaite mettre en commun les ressources. Donc pour cela, je fais comme tout à l'heure sur la tranche, clic droit et je vais aller chercher tableau des ressources. Je vais sélectionner toutes les ressources, donc si j'en ai beaucoup pour les sélectionner rapidement, ici vous voyez j'ai une colonne ici qui s'appelle indicateur là où j'ai ma souris, ici j'ai la ligne 1 et entre indicateur et la ligne 1 ici il y a un petit carré, vous voyez où j'ai ma souris. Eh bien je vais cliquer dessus, ça sélectionne tout et je vais utiliser la touche supre, ce qui supprime tout d'un coup. Voilà, et je peux me rendre du coup dans diagramme de Gantt et je vais fermer enregistrer. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, le planning de référence, toujours ordinateur, pour le SP2. Je ramène la partie diagramme de Gantt. Je fais comme tout à l'heure, je vais dans ici fichier, enregistrer sous. Je vais dans Tempo Visio, mon dossier où je mets tout. Mes projets, je vais l'appeler SP2 pour sous-projet 2. Je fais enregistrer. Voilà. Je vais changer la couleur, donc justement des jours chômés pour pas confondre avec le projet même. Donc, dans le diagramme de Gantt, clic droit, période chômée, et je vais choisir une autre couleur du vert. Voilà. Je fais OK.
Je vais nommer ce projet, donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour facilement le retrouver dans le projet même. Donc je retourne dans l'onglet ici en haut à gauche, fichier. Je vais chercher information. Dans information ici, il y a information sur le projet. Je clique sur information sur le projet. Propriété avancée. J'ai une petite fenêtre qui apparaît où je peux mettre le titre, le sujet, l'auteur du MS Project, le responsable du projet, société, catégorie, etc. Et moi, je vais marquer à la place de projet, je mets SP2. Je fais OK. Je reviens dans le diagramme de Gantt. Je vais maintenant aller supprimer les ressources pour éviter qu'il y ait des doublons au niveau du projet maître. Sauf si, bien sûr, comme si il ne doit utiliser que des ressources propres. Là, ce n'est pas le cas. Je souhaite faire que les ressources soient mises en commun. Donc, je vais ici sur la tranche faire un clic droit. Dans le menu qui est apparu, je vais me rendre dans Tableau des ressources. Sélectionner toutes les ressources en cliquant sur le petit carré entre la ligne 1 et la colonne indicateur. Et j'appuie sur la touche SUP pour supprimer toutes les ressources. Je reviens dans le diagramme de Gantt, la tranche, clic droit, diagramme de Gantt, c'est parfait, je ferme. Et j'enregistre toutes les modifications. Maintenant, le responsable de projet, avant de lancer le projet, eh bien tout simplement, il souhaite déjà mettre une liaison avec les sous-projets afin de pouvoir visualiser s'il y a des modifications dans les sous-projets. Donc, pour cela, je vais ouvrir le projet maître. Donc, je vois bien que je serai dans le projet maître parce que je vous rappelle que j'ai mis ici en rouge, vous voyez, les jours chômés. Et en haut, ici à gauche, tout en haut, vous voyez, c'est marqué projetmaître.mpp. Donc, je souhaite faire une liaison, avoir un lien vers mes deux sous-projets. Donc, pour cela, je vais me rendre dans l'onglet projet. Donc, vous voyez ici, il y avait fichier, tâches, ressources, rapports, projet. Je clique sur projet. Et dans le ruban, la première icône, j'ai ici sous-projet. Et vous voyez, c'est pour insérer un projet lié en tant que sous-projet. Pour gérer plus facilement plusieurs projets apparentés à l'aide d'un projet principal contenant plusieurs sous-projets. Je clique dessus. Je vais dans mon dossier. Voilà, temps pour visio. Je trouve mon SP1. Et je fais insérer. Et vous voyez ici, j'ai SP1 0 jour et c'est le 2 mars qui est la date du jour pour information. SP1, tout simplement, ce n'est pas le nom du fichier, c'est le nom, il reprend le nom qu'il y a dans information. Donc si je n'avais pas touché dans fichier information, donc le nom, eh bien il aurait laissé projet. Maintenant, je me mets en dessous. Et je vais rentrer la liaison avec SP2. Donc, pareil, sous projet, mon SP2 est là et je fais insérer. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai SP1, SP2, 0 jour, 2 mars et ça se termine le 2 mars. Là, je dirais, le responsable projet a terminé. Il ferme. Voilà. Un petit 3. Et il enregistre son projet. Les deux responsables de sous-projet ouvrent leur sous-projet. Donc, vous voyez qu'ici, SP1, et j'ai bien les jours chômés en jaune. La personne dit, bon, ben voilà, le projet va commencer le... Imaginons, on est, comme j'ai dit, le 2 mars, vous voyez ici, avec la petite ligne verte. Sauf que le projet, tout qu'on fait, doit commencer le 20 mars. Donc, je vais déjà modifier la date de début de projet. Donc, pour cela, je me rends dans l'onglet ici, vous voyez, projet. Information sur le projet, et c'est marqué ici la date du jour, hein, 2 mars, et moi je vais cliquer et je vais dire le 20 mars. Je fais OK. Voilà, je suis donc déplacé au 20 mars, vous voyez ici le petit pointillé, et je vais dire, je vais créer des tâches. Alors, je ne vais pas être très original, je vais appeler ici tâche 1, durée 3 jours, par exemple, et en dessous, tâche 1 bis 3 jours et je vais mettre comme prédécesseur. Voilà, on ne va pas faire compliqué, les deux tâches se suivent, etc. Donc la personne constitue son projet avec donc toute la partie, je dirais, tâches, relations entre les tâches, contraintes, etc., etc. Donc la personne fait son projet. Une fois qu'il a fini son projet, eh bien, il peut fermer et enregistrer.
La personne qui est, je dirais, responsable du sous-projet 2, eh bien, il va faire la même chose. Il va ouvrir son fichier SP2, ordinateur. Ici, il va mettre donc aussi la date de début de projet, on va dire qu'on prend sur les mêmes bases, il va dans projet, information sur le projet, et pareil, il dit, moi je commence le 20 mars. Je fais OK, impeccable, il s'est décalé au 20 mars. Donc je vais mettre une tâche 2, durée 4 jours, par exemple, et une tâche 2 bis, durée 4 jours, voilà, et puis supposition 1, donc on va dire fin début, plus 2. Voilà, par exemple, pour faire un peu plus. Donc, fin début, on voit plus de. Voilà. Et il enregistre. Il fait oui. Le responsable projet veut à un certain moment aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu déjà de la planification, comment ça avance, voir si les personnes ont travaillé sur les deux sous-projets. Donc, il ouvre son projet à lui pour visualiser. Si. Il regarde dans un premier temps, il fait ah, c'est pas top. SP1 0 jour pour le 2 mars et SP2 0 jour pour le 2 mars. Donc il n'y a rien eu. Sauf que ici vous voyez déjà petite chose. Alors pour info, ici vous voyez que dans la colonne indicateur, j'ai le symbole, donc l'icône de MS Project. Et quand je passe la souris dessus, ça me permet de voir où se trouvent les fichiers. Donc si jamais c'est sur des réseaux. Ça me permet de voir sur quel réseau, sur quel serveur. Petit 2, ici, c'est une tâche récapitulative. C'est une tâche récapitulative. Et donc, comme toute tâche récapitulative, vous voyez qu'ici, il y a un petit triangle devant SP1 et j'ai le même triangle devant SP2. Et si je me mets sur ce petit triangle SP1 et que je clique dessus, eh bien, vous voyez que tout compte fait, il a pris en compte le 20 mars. Avec mes tâches 6 jours, tâche 1 et tâche 1 bis. Je vais agrandir un peu, voilà. Et pareil, bien sûr, si je fais pour SP2, où je vois tâche 2 et tâche 2 bis au 20 mars. Donc, du coup, la personne, s'il souhaite, plutôt que de rester au 2 mars, bien sûr, peut aller dans projet, information sur le projet et dire non, tout compte fait, je sais maintenant que le projet va commencer le 20 mars. Et je fais OK. Ce qui permet, comme ça, de bien centrer dessus. Premièrement. Maintenant, j'ai envie de voir peut-être tout simplement si il y a, j'irai des ressources. Et donc, ici, pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a aucune ressource. Je vous rappelle que le projet maître a des ressources. Clique droit sur la tranche, tableau de ressources, elles sont là. Impeccable. Et je reviens dans le diagramme de. Donc en tout cas, ça a bien pris mes tâches. Maintenant, on va voir pour ajouter des ressources. Donc je ferme mon projet maître et j'enregistre. J'ouvre SP1. Rien, bien sûr, de différent, hein, normal. Je vais aller me rendre clic droit dans les ressources. Tableau de ressources, il n'y a rien. Ah, donc est-ce qu'il doit créer ses ressources? Non. Les ressources sont dans le projet maître. Si je me rends dans ressources et que je fais ressources partagées, partager les ressources, ici j'ai une fenêtre où je vais pouvoir partager. Par contre, vous voyez que c'est grisé. Utiliser des ressources requiert l'ouverture d'au moins une liste de ressources partagées. Je n'ai pas ici accès. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ouvert tout simplement le projet maître. Donc il faut ouvrir les deux projets. SP1. Et projet maître. Et donc je me rends dans SP1, donc je suis bien sur le jaune, et bien SP1, et c'est SP1, donc le sous-projet qui n'a pas de ressources, qui va cliquer sur liste de ressources partagées, partager les ressources, et dire je vais utiliser les ressources du projet maître. Voilà. Et après, c'est le choix en cas de conflit avec le calendrier ou les informations sur les ressources. La liste de ressources et le fichier prêteur qui est prioritaire ou le fichier emprunteur. Je vais laisser par exemple le fichier prêteur. Mais je prends bien les ressources du projet maître. Je fais OK.
Et maintenant, si je me déplace, nom des ressources, je clique, et bien maintenant, j'ai tout simplement, comme vous pouvez voir, des ressources que je vais pouvoir très facilement attribuer à mes tâches. Et ce que je vais faire, je vais ici, vous voyez, la tâche où j'ai mis, par exemple, Cobra, et bien, je vais dans Informations. Alors, pour aller dans Informations, soit je fais un double clic, soit je fais un clic droit, Informations, soit dans l'onglet Tâches, j'ai directement aussi, ici, Informations. Là, je me rends dans l'onglet Ressources, et je vais pouvoir dire que mes unités, je les mets à 300%. Et vous voyez qu'il a réduit, du coup, ma tâche. Pourquoi? Ben, parce qu'il a modifié la durée en gardant le même travail. Par contre, ici, vous voyez que j'ai un petit triangle vert avec un petit losange. Si je clique dessus, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai modifié le nombre d'heures ouvrées quotidiennement, unité par la ressource, voulez-vous, et je peux modifier la durée en gardant la même quantité. Par contre, ce que je vais faire, c'est garder la même durée, mais en augmentant la quantité de travail. Voilà, et je suis à 300%. Je ferme. Je fais enregistrer tout. Et je fais la même chose pour SP2. Voilà, j'ouvre SP2. Je fais OK. Donc pour bien vérifier dans ici le tableau de, dans les ressources, vous voyez que c'est vide. Et donc je vais ouvrir ici mon projet maître. Et vous voyez ici c'est marqué. Donc maintenant comme il y a des ressources partagées, voulez-vous ouvrir la liste des ressources partagées en lecture seule de façon à permettre aux autres de travailler sur des projets connectés à la liste? Je fais OK. Par contre, je vais me rendre donc dans SP2, dans ressources, liste de ressources partagées, partager les ressources. Et ici, vous voyez, utiliser les ressources. Et je vais prendre, comme tout à l'heure, projet maître. Je vais laisser aussi la liste des ressources sur le fichier traiteur qui est prioritaire. Je fais OK. Et maintenant, je vais pouvoir, sur ma tâche, vous voyez maintenant, j'ai les ressources, choisir la ressource Cobra. Et par exemple, ici, choisir une autre ressource, stop sheet. Je vais modifier, comme tout à l'heure, ici, avec un clic droit, information ou double clic, les ressources Cobra. Et au lieu de dire 100%, je vais passer à 300%. Je fais OK. Vous voyez qu'il a réduit comme tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir, ici, vous voyez, il y a le petit losange, cliquer et dire modifier la quantité de travail en gardant la même durée. Et vous voyez déjà ici, j'ai un petit bonhomme rouge qui est apparu. Juste pour voir, je ferme, j'enregistre tout. Voilà. Je vais voir le projet maître. Le responsable projet ouvre. Il peut ouvrir, lui, non pas en lecture seule, il peut partager en lecture-écriture de façon à pouvoir modifier les informations. Imaginons, c'est quand même le responsable de projet. Et ici, vous voyez automatiquement, j'ai deux petits bonhommes rouges qui vont me permettre de dire ces ressources sont surutilisées. Effectivement, je peux voir. Et après, je vais pouvoir, bien sûr, aller. Alors, je peux visualiser de différentes manières. Je peux très bien aller voir dans le graphe des ressources. Et en ici, en allant jusqu'à Cobra, la ressource Cobra, et en me déplaçant, ça me permet de voir. Effectivement que j'ai une limite de 500% et que je suis passé à 600%, donc j'en ai une qui me manque sur ces 3 jours. Je peux aussi aller voir éventuellement le planificateur d'équipe qui va me permettre de voir ici avec du rouge que Cobra se trouve sur les deux tâches. Donc il y a différentes manières et je pourrais régler soit en déplaçant, soit en prenant peut-être une autre source, en louant, voilà. Après, il y a toutes les possibilités de résolution, de surutilisation des ressources. Mais au moins, j'ai comme ça pu créer ici un projet maître avec des sous-projets et derrière des ressources partagées qui ne sont pas en double. Car effectivement, si, juste pour bien vérifier, clique droit sur la tranche, tableau de ressources. Et vous voyez ici, bon, je vois aussi toujours qu'il est en surutilisation, mais vous voyez que je n'ai pas de doublons dans mes ressources. Et pareil, si je vais dans SP1, vous voyez que tout s'enregistre automatiquement.
quand je fais une modification, que ce soit dans le projet maître ou dans les sous-projets, ouvrir la ressource partagée pour voir les affectations parmi tous les fichiers tracteurs, je fais OK. Voilà, par exemple. Et du coup, si je vais voir mes ressources, clic droit, tableau des ressources, vous voyez, j'ai aussi accès du coup aux ressources et il n'y a pas de double. Voilà comment on peut créer, grâce à Image Project, un projet maître, des sous-projets, incorporer les sous-projets dans le projet maître, partager les ressources sans avoir de doublons et visualiser éventuellement une ressource surutilisée. Et après, il ne restera plus que à décider comment régler la surutilisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.